3 au Émilie Abigail. Alors, toutes nos félicitations pour cette belle petite fille. C'est la quatrième. La sixième. De ce jour, dites que notre fille Abigail va devenir une servante de Dieu. Amen. Amen. On n'est pas forcément serviteur de Dieu à plein temps, mais tout le monde va être serviteur de Dieu. Même là où tu travailles, tu vas être serviteur de Dieu, servant du Seigneur, là où tu travailles, avec ton témoignage, avec ta vie, avec ton comportement, ton caractère qui attire, les âmes vont être attirées parce que tu es l'instrument que le Seigneur a qualifié pour bénir ta société. Amen. Amen. Alors, je disais un passage qui parle de la verge de la correction. N'épargne pas à l'enfant la verge de la correction. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Les lois, à partir des droits de l'homme, les droits des enfants, le monde, vous savez, le monde, si nous suivons tout ce que le monde fait, alors on est à côté. Si c'est la parole qui parle de la veille de la correction, qui vous dit, suis l'enfant dans la voie qu'il va suivre, et quand il sera grand, ça ne l'arrivera pas. Si c'est la parole qui dit, n'épargne pas à l'enfant la verge de la correction, il y a le moment, il faut enlever sa peau. Nous avions dans notre maison, dans les années 90, nous avions dans notre maison une fille de 18 ans. Mais on ne sait pas ce qui était arrivé dans son cœur. Elle était montée dans un grand orgueil. Elle parlait sans respect, elle pouvait ramasser n'importe qui. Alors, vous savez, j'ai une onction du bonheur. Peut-être certains ne connaissent pas cette onction. Quand cette onction descend, tu es en danger. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une onction du bonheur. Un jour, elle parlait, je lui ai donné 2 chiffres. Figurez-vous, fille de 18 ans. J'ai donné 2 chiffres. Et les 2 chiffres ont enlevé l'orgueil jusqu'à aujourd'hui. Ça, lui, il n'épargne pas la verge de la correction. Même si elle pouvait se battre avec moi, j'allais l'écraser parce que je suis un usosé. Mais je crois que les 2 chiffres, plus l'onction qui est sur moi, ça a travaillé. Donc elle a tremblé de tout son corps, de toute son âme. Et le Seigneur l'a guéri. A guéri. Donc, le petit enfant, la petite chicote. Hein? Voilà. Est-ce que vous m'avez entendu? Bon, vous êtes allié aux lois du monde, hein? Et à la veille de la correction. Et beaucoup de punitions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'autres machins pour taper l'enfant, il ne faut pas lui casser le bras, mais. Il y a les punitions. Et mon père donnait beaucoup de punitions à mes petites sœurs. Voilà. Et la punition là, et bonne punition, pendant une semaine, tu ne mangeras pas de poisson ni de viande. On te donne le manioc,
pendant que les autres mangent leur poisson. Voilà qui n'a pas de manioc. Toute la semaine, ça fait mal à un enfant. Tu vois les autres manger de la viande. Voilà des punitions comme ça. C'est une forme de verge. Je ne sais pas forcément taper. Voilà. Là, toi, tu mangeras la banane avec du sel. Il n'y aura pas de poisson pour toi. Rien du tout, toute la semaine. Voilà, nous allons maintenant prier. Nous prions pour Seigneur, merci de savoir que tu es celui-là même qui fait les choses étonnantes. Sois béni pour les miracles que tu ne cesses d'opérer sous nos yeux, de voir une femme porter un être humain dans son sein. Cela est un mystère. Et tu as été avec ta servante. Pendant plusieurs mois, tu l'as soutenu. Et tu as veillé sur Abigail dans le sein de sa mère. Et tu lui donnes l'occasion de venir dans ce monde agité, ce monde en ébullition par le mal et le péché. C'est pourquoi nous te la recommandons. Afin que toi, la créer, tu puisses la protéger contre les œuvres terreuses, contre l'influence du mal, et que cette fille, en grandissant, puisse te recevoir comme Seigneur et Sauveur, qu'elle puisse suivre l'exemple de ses parents. Bénis son père, bénis sa mère, afin qu'ils puissent encadrer les enfants que tu leur as donnés et les éduquer selon ta parole. Et à travers eux, tous les pères et les mères qui se trouvent dans cette salle, sois béni, sois glorifié pour ta grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle est vraiment tombée amoureuse. Salut, Pascal.